Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que vous attendez tant depuis vraiment très très longtemps. Donc aujourd'hui on se retrouve dans mon bureau pour le fameux bureau tour dont je vous parle depuis je pense 2 ans. Pourquoi j'ai mis autant de temps à le faire? Tout simplement parce que vous avez l'habitude de l'entendre dans les home tours, les bureaux tours, les room tours. On a toujours des choses qu'on veut améliorer et là il y a encore des petits trucs que je voudrais faire dans mon bureau que je n'ai pas encore fait, mais je vous fais enfin cette vidéo après 2 ans d'attente, parce qu'en fait sinon clairement je ne vais jamais la faire parce qu'il y aura toujours des petits trucs que je voudrais changer. Donc du coup on se retrouve dans cette pièce. Je vais vous montrer du coup juste à côté. Ici on a la porte d'entrée et en fait quand on arrive dans mon côté de la maison, on rentre dans mon bureau et ensuite on rentre dans ma chambre. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Hop là, du coup on pousse la porte et nous arrivons donc dans mon bureau. La première chose, du coup, on va commencer par la gauche. La première chose qu'on a donc sur la gauche de la porte avant d'arriver donc dans ma chambre, c'est ce mur que vous avez l'habitude de voir en story, de voir sur Snap, tout ça depuis très très longtemps. Donc ce mur, c'est ce que j'appelle un peu le mur des récompenses de Mala, donc que j'ai fait au moment de notre dernière saison de concours, où du coup j'ai affiché plein de flots qu'on a gagnés ensemble, mais également plein de flots d'événements. Donc ici on a la Wallonie Equest Event, en haut on a Equitalion 2018, j'en ai un autre d'Equitalion 2018 aussi juste là. Jumping de Bourg-en-Bresse que j'avais fait avec mon école, et ensuite les Lamottes et les concours du coup que j'ai gagné, enfin que j'ai gagné où j'ai été classée du coup avec Mala. Également un petit flow qu'une abonnée m'a fait avec mon logo. Ici on a donc un thermomètre et une petite plaque que j'ai gagnée avec Hermione en trek, et du coup bah, toutes les photos de zone 2 championnat de France avec Mala. Donc voilà un petit peu pour ce mur que j'aime énormément et que je vois dans mon bureau, mais que je vois également de mon lit et de ma chambre quand je suis dans ma chambre. Donc ça c'est vraiment très très cool. Avant d'enchaîner sur le reste, donc quand on arrive par la porte d'entrée, encore une fois il y a des taches de peinture, je ne sais même pas pourquoi, il y a un porte-manteau ici où du coup j'ai mes petites doudounes sans manches, un petit sac que j'emmène en événement pour mettre les caméras et mon super sac à dos dinosaure, parce que je suis une grande fan de dinosaures depuis petite. Et en haut du coup on a une guirlande lumineuse que je n'allume littéralement jamais. On va ensuite continuer par ce mur qui est un de mes fonds de vidéos YouTube tout simplement. Donc on va commencer par le bas. Ici j'ai du coup une pile où j'ai plein de magazines. Donc celui-ci qui est le catalogue des étalons de couleurs, celui de l'année dernière également. Donc c'est Isia, le golf écurie paradisiaque. Et c'est là-bas tout simplement que j'avais choisi Roquette, avant qu'il soit vendu chez sa nouvelle propriétaire. Et du coup, elle fait les catalogues des étalons de couleurs. Et ça, c'est genre méga trop bien. Donc je les ai là parce que j'adore les feuilleter. Ici on a une petite table mandala, j'ai la deuxième en plus grande d'ailleurs dans ma chambre, où bah, y a un petit peu de déco tout simplement, des petits coquillages, des petites fleurs, tout ça. Là j'ai mon petit fauteuil où il y a plus souvent mon chat que moi, avec un petit coussin qui me semble vient de chez Action si je vous dis pas de bêtises. Et ensuite, je suis déjà super essoufflée, j'ai toute la déco du coup du mur. Donc premièrement, juste ici que vous avez vu assez rarement en vrai, c'est mon trophée YouTube. Donc voilà, bonsoir, avec écrit donc un cœur de cavalière, mon trophée des 100 000. Juste là, j'ai une petite plaque des Masters de Chantilly que j'ai mis là parce que ça allait très bien dans la déco. Juste au-dessus, j'ai une petite étagère avec une bougie. Bon, toute ma déco en général, c'est Action, Primark, Centre Accord, tout ça. Un petit cactus qui d'ailleurs m'a l'air d'être mort. Et un petit cadre avec une photo de Mala qui avait été prise à la Motte 2018, si je vous dis pas de bêtises. Et au-dessus, on a un petit cadre Stay Positive. Voilà. Ensuite, juste ici, on a un fer de Mala que j'avais peint et que j'avais accroché. Juste en dessous, on a notre photo de la U-Team de 2019. Donc il y a moi, il y a le copain de Julie, il y a Julie, il y a Victor et il y a également Gamin. Et du coup, le numéro que j'avais à la Motte.
donc c'est bien 2019, c'est écrit dessus, je me suis pas trompée, c'est bien, que j'adore cette photo et je trouve qu'elle va trop trop bien dans mon décor. En dessous on a un autre cadre avec une petite citation. Au-dessus j'ai mon horloge qui ne marche plus mais qui est clairement juste là en déco. Un cadre avec une photo du studio main de rue qui est tombée et qui s'est pété, faudrait peut-être que je le répare. Le cadre qui a juste au-dessus de ma tête du coup quand je filme mes vidéos avec mon logo. Et une autre photo du studio main de rue juste ici. Après là il y a un petit peu de bordel et habituellement il y a mon éclairage que là j'avais rangé pour faire le ménage. Donc il n'y est pas. Mais d'habitude j'ai mon éclairage ici parce que... il n'y a pas de lampe au plafond, voilà. Ensuite, chose qui a un peu bougé récemment, donc c'est la déco que vous retrouvez sur mon gros meuble où je range tout simplement, bon je vais pas vous l'ouvrir en grand et pas vous faire la présentation en grand, mais voilà, c'est plein de boîtes, plein de rangements, là c'est le côté vidéo où j'ai toutes mes autres caméras, tout ça. Là j'ai toutes mes batteries de rechange, tout, et puis mes albums photos, des petites choses comme ça, des bougies de rechange, les cartons de dédicace, voilà. C'est un petit peu mon rangement bureau, les petits trucs Colissimo pour envoyer les colis, enfin voilà, c'est un placard de bureau tout simplement. Et du coup ce qui vous intéresse peut-être un peu plus donc c'est au-dessus. Alors on va commencer par la gauche, donc là il y a un bouquet avec des fleurs artificielles, j'aime beaucoup, c'est très beau. On a un petit cadre avec encore une photo de la motte avec Mala. Mon brevet d'études professionnelles, cavalier soigneur. Que j'ai affiché parce que j'aime bien afficher mes diplômes tout simplement. Un petit cadre de Hermione fait en mode un petit peu dessin 3D, je me rappelle plus, ça fait un moment, mais c'était une marque qui m'avait contacté pour un partenariat affiche et m'avait fait cette affiche. Là j'ai un petit truc avec des trucs tout fanés qu'on m'avait offert une année à mon anniversaire. Un autre cadre de moi et Mala que j'ai accroché à la tringle à rigueau. La plaque de la mode de cette année que la Fédé nous a offert en cadeau vu qu'on a été invité, voilà c'était la vidéo, une des vidéos juste avant, je suis allée à la mode en visiteur et invitée par la Fédé. Oh je bégaye de ouf. Et du coup ils nous ont offert une petite plaque. Ici j'ai accroché donc mon bac professionnel conduite et gestion d'une entreprise épique. Voilà, c'est vraiment full poney hein. Clairement c'est full poney. Là j'ai une autre photo de Mala. Et ici j'ai mon article qui a été dans Cheval Pratique en 2018 ou 2019. Ils avaient fait une page complète sur moi et je trouve l'article et les photos qui illustrent vraiment trop belles, donc du coup je l'ai affiché ici. Voilà, petite fierté. Et ensuite ici on a un fer de la garde républicaine que j'ai mis tout simplement en déco. Et ça c'est une rose éternelle que mon ex copain m'avait fait en 2018. Aussi. En fait, tout vient de 2018. C'est génial. Mais je trouve que l'ensemble fait très mignon et c'est très cute. Ensuite, là, du coup, j'ai ma fenêtre avec un rideau. Waouh, super. On a mis un petit grillage parce que j'ai ma mimine qui a tendance à vouloir se coucher au bord de la fenêtre. Et vu qu'on a peur qu'elle tombe, on a mis ça. Et son petit arbre à chat parce que du coup, quand je bosse sur mon bureau, elle adore se mettre à côté de moi juste là. Alors là j'ai une tour Ikea très très basique où du coup j'ai pas mal de choses, donc en bas c'est du bordel mais ici c'est tous mes cours de terminale de bac pro. Là j'ai du bordel aussi, là j'ai tous mes cahiers et les papiers des chevaux. Là j'ai tous mes classeurs qui sont triés en mode opération, santé, papier important, impôts, machin, nanana. Voilà, je suis assez organisée et assez maniaque dans la vie de tous les jours, donc je trie tout, je range tout. En haut ça c'est une boîte avec un petit peu de babiole, j'ai un cadre en haut avec une photo de famille. Un autre fer de la garde républicaine parce que vu que j'étais avec mon papa on en avait eu un chacun. Et au final bah, j'ai mis les deux dans mon bureau. Mes marqueurs, une petite plante. Et sur le côté du coup j'ai accroché des petites pinces avec toujours et encore des photos de Mala du studio main de rue. Et je trouve que ça fait super joli. Donc là pour mon bureau j'ai un fauteuil que j'avais acheté je ne sais plus où. Je déteste les fauteuils à roulettes donc ça me va très bien. Ma mimine a déjà fait ses griffes dessus, je suis ravie. C'est un bureau qui est convertible d'angle mais en général je l'ouvre jamais. Enfin pas depuis que j'ai mon nouvel ordinateur parce que du coup investissement de l'année et pièce maîtresse de ce bureau,
ce merveilleux PC de gamer avec deux écrans. Donc pour faire le montage, c'est juste trop bien. Il a été fait un petit peu en pièces détachées parce que du coup mon beau-frère travaille là-dedans et en fait il m'a pris pièce par pièce pour monter un bureau avec un bras où en fait on peut bouger les écrans, tout, enfin c'est trop pratique. Du coup en dessous de ça, là j'ai encore des classeurs, encore du bordel. Juste ici j'ai ma tablette, enfin c'est un iPad très basique que je me sers pour faire mes miniatures, répondre à des mails, tout ça. Juste là j'ai ma lampe que j'adore avec une pierre pour la concentration, encore des sambons, une bougie, j'ai mes baffes de chaque côté. J'ai ensuite, où j'ai quelques photos mais on va pas voir, j'ai deux photos avec Cassandre qui sont accrochées, mais ça c'est tous mes stylos, mon petit support pour charger mon téléphone, disque dur externe très pratique, des petites to-do list, The Horse Rider que j'utilise au quotidien, que j'aime beaucoup, ils font les bullet journal, ils font plein de choses et c'est méga trop bien et je m'en sers tout le temps. Et ensuite petite punaise, trombone, tout ça. Donc voilà un petit peu pour le bureau. Juste au-dessus, vous retrouvez deux cadres qu'il faudra bien sûr que je rehausse, qui ont été faits par une abonnée il y a longtemps, parce que Hermione était bébé. Et c'est une abonnée qui s'appelle Juliette, qui maintenant fait de la photographie et qui dessine ultra bien. Et elle m'avait fait ces deux cadres que j'ai mis dans mon bureau et que littéralement j'adore. Voilà, ils ont jamais bougé de place et je les aime toujours autant. Mala est tellement bien fait et tellement réaliste. Enfin bref, magnifique. Donc si vous voulez aller checker son Instagram, hop, je vous le mets juste ici. Elle fait de la photo maintenant comme je vous disais et elle est vraiment très douée. Ensuite on va retrouver du coup des petites étagères. Donc là j'ai un petit miroir que j'avais mis ici que j'ai pas bougé. En haut encore une photo de Mala et puis de la déco lanterne. Dans cette boîte là j'ai tous mes protocoles de dressage que je garde précieusement. Voilà. Ensuite deuxième petite étagère où j'ai tout ce qui est coupe. Donc ça c'est à mon papa quand il faisait de la moto. Ça c'est à moi, ça c'est à mon papa. Et ça c'est un copain à mon papa qui fait de la compétition maintenant, de super motard, qui nous l'a offert. Autre flot des championnats 2019, Hermione Granger bien entendu, petite bougie, et ça du coup pareil c'était mon ex-copain qui me l'avait fait, et c'est tout simplement des Schlecht, bref, qu'il a peint aux couleurs de Hermione et de Mala. Voilà, très cute, que j'ai gardé en déco parce que c'est très beau. Et une photo de moi et ma sœur. Voilà, vous voyez très rarement ma sœur, mais voilà, ma sister. Ensuite, en dessous, j'ai un petit cadre toujours avec une petite citation et une petite carte j'aime avec les nouvelles brosses que je trouve très belle, et une photo avec ma meilleure amie. Et ensuite ici j'ai un casque que j'utilise du coup quand il y a un petit peu trop de bruit à la maison pour faire du montage. Juste là on a une plante qui est littéralement décédée. Voilà, on va pas... elle est morte. Elle est morte comme la plupart des plantes qu'il y a dans mon bureau et dans ma chambre. Et ensuite ici j'ai normalement un tapis qui là est au sale, mais un tapis un peu berbère, noir et blanc, très joli. Et là j'ai un petit panier avec des plaids dedans pour quand je fais du montage et que j'ai froid. Voilà, donc je pense que vous avez fait un petit peu le tour de mon bureau avec moi. Je pense que ça va pas être une vidéo très longue, mais c'est une vidéo que vous vouliez absolument. Ma chambre est littéralement 3 fois voire 4 fois plus grande que mon bureau. Donc si jamais vous voulez un room tour, n'hésitez pas à me le dire. J'ai du temps en ce moment, donc j'aurai le temps de vous le faire assez rapidement et je pense que ça peut être sympa. J'aime énormément la déco et j'aime énormément mes chevaux. Je pense que ça se voit parce que ma déco, il y a beaucoup de déco. Et il y a des chevaux de partout. C'est exactement la même chose dans ma chambre. Voilà, donc voilà, c'est vraiment mon univers, mon petit chez moi. Et j'ai la chance d'habiter dans une vieille ferme et donc d'avoir beaucoup d'espace et de pouvoir avoir une très grande chambre avec un bureau attenant, mon dressing. J'ai pas de salle de bain par contre, mais voilà, j'ai vraiment mon petit chez moi à l'intérieur de la maison et ma petite indépendance, et c'est vraiment extrêmement cool. Et je suis très contente d'avoir une pièce vraiment de travail pour YouTube et pour tout le reste, pour les vidéos, pour tout ça, parce que franchement depuis que j'ai mon nouvel ordinateur, je revis, et vous faire du montage c'est un pur bonheur, genre vraiment c'est ma partie préférée, le montage, et je suis trop contente d'avoir
tout ça pour pouvoir vous faire des montages de qualité. Donc c'est trop trop bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quel est le coin que vous préférez dans mon bureau. Si vous avez des questions sur la déco, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires également. Si je le sais, je vous répondrai, mais c'est tout plein de choses que j'ai chopées au fur et à mesure des années. Donc il y a des choses que je ne sais pas trop, j'avoue. Donc voilà, moi sur ce, je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.